Coucou. Bon, ben, nous voulons en forêt, pas chez nous. Ça change, on est dans le Loiret avec Maxime. Coucou. Et puis bien sûr, dans le Loiret, c'est avec Coucou. La taverne. Salut. Salut David. Alors nous, on a monté notre petit camp et puis on a encore des invités à David qui doivent arriver. La tente au cas où il y aurait de l'orage cette nuit, peut-être pour Maxime. Et puis il y a les toutous. Voilà, la présente. Je sais pas, tu me fais des câlins, moi je m'y suis cru quoi. Là on va se ramasser un couteau dans la poche. Conseil, garde du balai. À l'avant, parce que sinon tu vas basculer vers l'avant. Hein. Non mais là, pas que vous dis coucou. Tu dis coucou. Oui, non, pas non. Tu as regardé les. Ouais, les vidéos d'Antoine. Jacob Caru. Jacob, ouais. En Laponie. Ah, je pas il est où mon chef alors. J'ai perdu 3,5 kg hein, quand même. Parce qu'il n'a pas mangé à sa faim. Hein. Donc c'est l'un dans l'autre. Mais c'est comme ça, tu te le permets quand tu sais qu'au bout de 15 jours tu rentres chez toi. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est non. Il y a Mouki là. Mais c'est comme ça. Il faut que tu sortes avec des pêcheurs. Il faut que tu mettes avec des poissons. Guillaume Alzaco, il est pêcheur. À voir. Ouais, parce qu'il fait des vidéos de pêche aussi. Et à chaque fois qu'on est avec les Bibi ensemble. Ils ont rien chopé, donc moi je parle pas de pêche. Par contre, j'ai la bouche. Il y a du carnassier, tout ça. À chaque fois qu'on est parti à l'étang avec Ram, ça voulait pas rentrer trop. Les œufs, les œufs de
Vas-y, un gros coup au milieu, maintenant au droit. Vas-y. Attends, on va le retourner. Vas-y. Mais bon, là, il va passer le verre, là, je crains, moi. Quand même. C'est assez grand, ça. Oui, Maxime, si je sais pas la taille de la table que tu veux faire. Tu veux une table ? Il veut faire une petite table. Une table basse ? Pour mettre devant sa chaise. Dans le sol, ou bien tu veux pas qu'elle se déplace ? Pas pareil. Ouais, c'est pas la même fabrication. Bah non, ouais. Bah planter dans le sol, ça me dérange pas. Et bah dans ce cas-là, ça va peut-être un petit peu. C'est un trop petit. Peu short. Parce qu'il va falloir que tu enfonces au moins de 20 cm. 20 cm, c'est ça pour moi. Donc, tu vois, après, ça va faire. Fais-en une qui se déplace. Ouais. Dans ce cas-là, il te faut des Y. Pareil, commencer les Y. Non, mais il te faut 4 Y, mais ça, après, tu pourras l'utiliser quand même pour poser, pour faire ta table. De toute façon, c'est pas du travail perdu. Hein. C'est pas du travail perdu. Il hein. Faut trouver des Y. Et du bois vert. Hein. Ouais. Tu peux prendre du bois vert. Hein. Tu sais, les petits rejets qui ont fait un peu de l'énergie aux deux autres. Alors que les deux autres, ils sont déjà bien développés. Ça, c'est un rejet. Donc même si tu le coupes, c'est pas gênant. Ça va pas les faire mourir. Ce qui est le plus important, c'est ces deux-là. Donc tous les petits qu'il y a autour, là, tu peux les couper facilement. Enfin, facilement. Sans aucun problème. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme le noisetier, ça part dans tous les sens. Tu peux couper le noisetier, ça ressort l'année d'après. Il n'y a aucun souci. La table à feu, bûche suédoise à l'envers. Il m'aura demain. Je sais pas comment. Bah demain, on aura cramé. Hein. Tout ? C'est le principe du feu. Non, mais tu es sérieux. Je crois que d'ici demain. Non, mais je suis sérieux. Non, mais pas tout. Voilà. Pas tout. Mais fais des photos, Maxime. Mais j'aime pas le pamplemousse à la base. Bon, bah voilà, c'est le réveil. Et 10h25 aujourd'hui. Donc tout le monde est levé, bien dormi, Maxime, bon un peu moins, il a été un petit peu perturbé, mais ce matin ça va bien, il est bien réveillé, il commence déjà à se fendre la poire. On va aller voir le petit déj. Alors Max, t'as bien dormi ? Ouais. Ouais. T'as bien vomi ? Tu l'as entendu ? Ah oui. Ouais. Oh. J'ai cru que c'était un adulte moi qui vomissait. Bah c'est le vin ? Ouais, ouais. Hein ? Mm-hmm. Tiens, regarde le petit pain, Mika. Il a fait des petits pains aujourd'hui. Et ils sont bien façonnés, hein ? Ah ouais, ouais. Ouais. Alors, on peut y aller. Hein. Salut la troupe. Salut la troupe. Excuse-moi, je passe devant. Bonjour Maxime. T'as bien vomi Maxime ? Oh le pauvre. Bah ça y est, il a déjà repris, hein. Il a déjeuné. Ouais, il a mangé une crêpe. Ouais, mais c'est pas un grand mangeur. Hein. Moi aussi. Tiens Mag. C'est bien, yep. Bien fait de me reprendre. Hello. Toi t'es vache toi dès le matin. Bah oui. Montre le petit déj. Donc Mika a trouvé un nouvel employeur. Là, il travaille boulanger super rue. En fait c'est de la fumisterie tout son truc. Ouais, je fais du pain que dalle ouais. Hein Max, tu l'as vu faire du pain toi? Mais non. Ah, tu l'as vu faire du pain, sérieux? Non, mais tu peux le balancer, hein, y a pas de soucis. Hein. Et l'autre, il prend sa défense, ouais, hein, écoute là. Ouais. Coucou, papa. Et du pain. Ouais.
vous faites là, vous? Hey. Ah, tu l'as pas eu celui-là. Bon, ça va, vous êtes bien installé. Max. Ça barbouille encore. Et voilà, c'est prêt. Ouais, nickel. Il est fou ce défi. Daf le loup. Bon, alors j'explique. Explique. Dessus, je vais mettre des petits branchages comme ça. Pour faire un quadrillage et puis balancer de la fougère par-dessus, comme ça je vais dormir avec les tiques ce soir, je serai en bonne compagnie. Et s'ils annoncent de la flotte, tu restes quand même là-dessous? Non, je prévois un plan B. Plan B? Ouais. Ah ouais, je vais faire un abri souterrain. Exactement. Bon, on regardera quand ce sera fini tout à l'heure. Qui je veux? Et là on va tester en fait le fait de filtrer, tout simplement on va tester la paille. Et que on a été récupéré de la flotte bien vaseuse au niveau de l'étang qui est derrière, enfin, le restant d'étang. Donc par chance, il n'y a pas trop de merde plein dedans. C'est pas propre mais il n'y a rien en suspension. Non, il n'y a rien dedans. Donc on va voir si ça passe. Avec la cavité, c'est pas génial. Ouais, c'est par pression ça. Ouais. On peut s'apercevoir que déjà l'eau est beaucoup plus claire comparé à là-dedans. Notre débit c'est un truc par minute, la paille. Je trouve que c'est quand même pas dégueulasse. L'eau est quand même vachement claire. Hein. Je suis vachement étonné. Ça c'est pas que ça aussi. On est en train de tester les pailles filtrantes. C'est de l'eau du lac. Ouais. Tu vois, elle est quand même assez chargée, mais quand elle sort, c'est clair quoi. Ok. On peut voir. Voilà. Le résultat final, il y a... Elle fait combien de litres la popote? Un litre à peu près. Il y a un litre en combien de minutes? 2-3. C'est pas très bon. On va le faire bouillir. Thank you.
parle plus de fesses. Non, non, on non, c'est pas gentil. Et à la base, c'est moi qui ai essayé. Problème de sanglant. Ouais, quand j'avais pas de jambes. C'est bon, tu peux rallumer le feu si tu veux, Maxou. Ouais. Je te filme en gros plan en train de souffler. Si tu commençais par des petits bois, pas vert. Je suis dans la merde là. Mais ça va pas tarder, oui. Et tu bouges pas ton cul, toi, enfoiré. Casse-le un petit bout. On a plein de petites brindilles toutes sèches aussi. Attention toi. Vas-y, vas-y. C'est pas... Oh. Ah, ouais. T'as fait deux fois quand même. Ouais, mais il est raté toi ça. C'est la technique du Canadien. Aspire, aspire, sous-sous. Moi je trouve ça vraiment bien. Et ça, c'est la répartition de la c'est à toi. Je suis en train de fumer avec le machin. Des accords un peu à des accords comme une guitare. On va changer tout ça. Plein de range en plus, on reste comme ça. Si, mais je leur sers juste un peu. Gars, quand le feu il va être dessus, ça va cramer. Bah, je sais, mais... Donc il faut que les piquets soient serrés dès le départ. Sinon, c'est faut les mettre ça comme ça. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on mette les piquets comme ça. Voilà. Et ça. Pour caler, on va mettre des cales en fait entre les cales. Donc, je me suis fait chier depuis une demi-heure pour rien. Non, je t'ai pas fait chier. T'as donné des idées à ta femme. Puis tout à l'heure, en train de triturer la canette de sa bière en te regardant. Hein. C'est vrai, tu vas faire ta corde, elle va lâcher. Donc du coup, si tes piquets sont pas bien mis dès le départ... Il y a un empêche en minor, hein, ce week-end. Allez, entre ta bûche, le bûcher, la poulet... Hein. Merci Fifi, tu me remplis de joie. Je suis content. Après, il va plus lâcher. Je suis plein d'idées, mais j'ai pas envie de les faire, alors. Tant que les autres peuvent les faire. J'aime bien le voir bosser, mais après, il va se sentir le fait. Child, I'd sit for